Salut les astros, salut tout le monde, j'espère que vous dormez bien, parce que moi je suis devant mon télescope, il est minuit 7, donc la petite lunette, et vous avez également l'ordinateur, et vous avez la caméra, voilà, ici, la caméra, et je suis en train de cibler une petite nébuleuse. Alors je vais vous, elle est difficilement visible hein, si on connaît pas bien. Et alors je vais retirer le réticule rouge, voilà. Alors c'est une, je vais aussi éteindre hop, la lumière, voilà, ce sera mieux. Alors vous voyez ici, vous avez un petit anneau. Ce petit anneau, c'est un anneau d'hydrogène. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que ici avec cet écran, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, vous avez ici un petit anneau, et ce petit anneau, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire c'est un disque, une bulle de matière expulsée par une étoile. Donc l'étoile, elle est au centre de la bulle. C'est une étoile morte, une étoile qui a fini sa vie et qui a expulsé sa coquille externe vers l'univers, dans l'univers. C'est ce qu'on appelle donc une nébuleuse planétaire. Vous avez au centre donc une étoile morte. Alors cette petite nébuleuse planétaire, c'est Messier 57, hein, également connue sous le nom de M57, la nébuleuse de la Lyre, parce qu'elle se trouve dans la constellation de la Lyre. Donc ici vous avez quelques fluctuations parce qu'il y a des... ça se voit, mais il y a quelques petits nuages. Non, ça se voit pas. Tout ce qu'on voit, c'est les guirlandes de mon voisin. Voilà, qui adore les guirlandes, mais qui est un petit peu gênant pour l'astronomie. Donc là, on voit bien cette petite nébuleuse planétaire. Voilà. Donc, si on la voit bien, ici on la voit mieux. Voilà, ce petit anneau, là on le voit bien. Là. Le petit anneau de matière expulsée par son soleil central. Voilà. Donc on arrive à voir ce genre de petite nébuleuse planétaire avec voilà, une toute petite lunette. Ça commence à être intéressante. Hein. Mais voilà. Alors, hop, je vais lancer ici une capture rapide en image, hop, je lance la capture et ici vous avez le nombre de tout en bas ici le nombre d'images. Donc là j'ai 5, 6, 7, donc je vais accumuler un maximum d'images et quand j'aurai suffisamment d'images, après je vais traiter toutes mes images sur informatique pour pouvoir tirer un maximum de signal pour pouvoir faire une belle photo. Et puis j'ai quelques petits défauts hein, sur ma caméra ici, tu vois, j'ai des petits points rouges là ici, des petits points, c'est ce qu'on appelle des pixels chauds, donc il va falloir que je les supprime aussi, donc ça va être du traitement informatique. Voilà, donc ici ma capture est terminée, M57, voilà, donc en direct vous pouvez voir une nébuleuse. Petit disque, petit rond de fumée. Hop là. Et voilà. Allez. Hop. J'espère que vous avez apprécié ce petit direct dans le jardin. Voilà. Allez, je coupe. Bisous, bisous.